Alright, prêt à quitter la maison d'Aurélien et Sang. Aurélien, merci beaucoup. Salut Charles, à bientôt. Au plaisir. Bonne route. Merci. Alright, on part. Salut. Fait que là, je pars, mais je vais pas très loin. Après être resté assez longtemps chez Aurélien et Sang, c'était vraiment une belle expérience de couchsurfing. On s'est super bien entendu, là. Puis tu sais, vu que je suis arrivé vendredi soir, j'ai comme pu profiter, c'est passé la fin de semaine avec eux. Donc c'est vraiment le fun. Mais là, je fais genre pas une grosse journée pour aller rejoindre Renan, là, le monsieur que j'ai croisé. Il m'a invité chez eux, à Matoury. Donc je vais aller là ce soir, puis après je vais prendre la route vers Kourou, ou le centre spatial. J'ai loué un Airbnb pour quelques jours. Donc c'est pas mal ça le plan. Ok, je suis dans une banlieue de Cayenne qui s'appelle Rémire-Montjoly. Je vais suivre ce qu'on appelle la route des plages. En attendant, je suis pas mal dans un centre d'achat. Mais c'est un petit détour pour aller chez Renan, que lui habite à Matoury, là, par où je suis arrivé l'autre jour. Et il y a beaucoup de trafic à toute heure du jour dans cette ville-là, c'est fou. On va s'en sortir, par exemple. Petit tour sur la plage Sainte-Rita, à Rémire-Montjoly. Le sable est genre orange, c'est cool. Je sais bien que c'est nuageux, mais c'est quand même tranquille. Hein? Je fais un sentier sur le long de la mer qui s'appelle le sentier des Salines. J'ai laissé mon vélo là, dans le parking, là, ça a l'air tranquille. Fait que je vais en faire un bout, je pense que je vais le faire au complet, c'est assez long. Mais ça a l'air cool. Je pense que ça, il y a comme des espèces de petites baies. Le sentier se promène sur le bord de la mer. Le sentier est pas mal en sable. Puis là, moi, mes souliers ont de la misère. Les bouts sont levés, là, je les ai collés puis tapés. Ça rentre un peu pas mal. Une autre affaire que Violaine va m'apporter bientôt. Belle swamp. Ouais, le milieu est cool, je vois plein d'oiseaux. Là, comme de fait à caméra, j'en verrai pas un maudit, mais c'est cool, mais je me sens pas tant en ville. Cool le chemin ici. Ah, et cool le petit parc ici sur la plage avec des tables de pique-nique, des grosses talles de bambou. Ça, l'affaire, c'est qu'il y a de la vitre partout à terre. Bon spot pour me faire une limonade. Il y a des plages protégées pour que les nidifications de tortues luttent. Un peu partout ici, là, il y a des panneaux. Sur la route, il y a une petite forteresse qui s'appelle Fort Diamant. C'est pas pire. Aïe. C'était pas gros pareil. Juste au bord de la mer. Encore une fois dans le trafic. C'est que les routes principales, ils ont aucun accotement. C'est là qu'il y a le plus de chars. C'est vraiment pas pratique. C'est pas mal la merde de ça. J'ai vraiment pas beaucoup de jeu là. Que je pile ces lignes blanches, sinon ils vont me faire effacer. Fait que j'ai trouvé la maison de Renan. Là, il vient de partir, on a jasé. Et là, je peux dormir. C'est qu'il y a une compagnie de forage. Puis là, je vais dormir avec les deux autres de ces travailleurs foreurs. Je vais dormir dans leur petit camp qu'il a fait dans sa maison. J'aime ça, j'ai l'impression d'être sur un contrat. Le voisin fait un feu. Parce que j'espère que c'est normal. Ça me semble gros. Bonsoir, je suis avec Renan et Benji. Oui. Ils m'ont fait à souper. J'ai reçu comme un roi. Petit Heineken, pas le temps de niaiser. Mais merci beaucoup. Moto brigade. Il n'y a pas de problème. Ah, ça fait plaisir, les gens. Pas de souci. Surtout, l'entraide sur la route, c'était super. Je fais comme chez toi, il n'y a pas de problème. All right. Allez, ciao. Wow. Trésor. Il faut mettre une échelle. Prête à partir. Comme voici et Rosena. Rosena. Et Mettons. Mettons.
Et vocês são do Brasil a trabalhar aqui? Bem. Merci beaucoup de votre accueil, c'était super. Pas de problème, on est là. Si tu as besoin de nous, tu nous fais signe. Si j'en passe en Guyane, je vais avoir une tournée à faire. J'ai l'impression de connaître tellement de gens chaque jour. Oui, c'est comme, je vais être en voyage, mais c'est comme j'ai déjà mon petit réseau dans le coin de Cayenne. Voilà. Oui, voilà, donne-nous des nouvelles. Oui. C'est bon, merci beaucoup. Ça nous fait Allez, plaisir Charles, de te connaître. Route. Bonne route pour toi. Bonne route. All right, c'est gentil, okay. Merci. Ciao. Donc, je suis parti chez Ronan et Betty, j'en passe par Matoury, genre quelques kilomètres à faire là, par le même chemin que je suis arrivé l'autre jour à Cayenne. Mais c'était drôle, j'ai tellement été bien reçu. Je pense qu'il aurait aimé ça que je reste plus longtemps, là, tu sais. Mais c'était drôle, ah, t'as pas besoin de rien, t'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin... Ils m'ont donné de la bouffe pour... Betty est un peu meilleure poule, là, tu sais, mais ça fait bizarre, tu sais, de moi à mon âge, là, me faire traiter aux petits oignons comme ça, là. Mais c'est du bon monde en maudit. Fait que c'était le fun. Fait que là, je me dirige vers Kourou, qui est à une soixantaine de kilomètres, mais là, ça va être plat. J'ai loué un Airbnb pour quelques jours parce que je veux faire quelques attractions. Et là, ce soir, il est supposé avoir un lancement de fusée. Ce serait cool de voir ça. Sauf, là, à date, il y a l'air d'avoir des gros nuages, et que ça regarde un peu mal. Mais on va voir. Alright, ben on va vers Kourou. Saint-Laurent-du-Maroni, ça a l'air frontière avec le Suriname, Saint-Laurent. Là, il y a genre un gros rond-point double, je vais essayer d'en sortir. Alright! Je flash avec mes mains. Ça marche. Dans un rond-point, il faut que tu fasses comme si t'étais un char. Sinon, là, ça va pas. Fait que là, tourne ici. C'est la deuxième partie en dessous du viaduc. Pas trop de monde. Alright. Ma main à gauche. Ok, ouais, personne ne peut rentrer là, c'est correct. Ma main à gauche. Là, y'a rien! Alright, à droite! Kourou! Ah, y'a une bicyclette! Je pense que je me suis fait crier une insanité, mais qui mange de la marde! Puis, ben, je m'en vais voir Kourou tranquillement. C'est-tu une autoroute? En tous les cas, il n'y a pas d'autre route, fait que ça va être ça, hein? Mais là, on va avoir un accotement, ça va être correct. Alright, Kourou 55, Saint-Laurent 250. Puis entre-temps, le village de tomates. Ça va y aller. Là, il y a un gros accotement, je suis en business, ça. Hein? Un gros pont. Le nouveau pont du Larriveau. Ben, je pense que c'est le vieux, ça. Bon, on va essayer de passer sur l'espèce de trottoir, je pense bien. Hein? Parce qu'il y a pas mal de trafic puis il est vraiment long. Les boys, c'est pas l'art, faisons. Rivière de Cayenne. Ouais, c'est vraiment pas le best. Je suis comme surélevé, là, tu sais, je peux pas tomber. Voilà. Avec les sacoches, là, je suis large, pareil. Rivière de Cayenne. Oh, checké, il y a genre des poissons vraiment fuckés. Des poissons! C'est large. Alright, je suis dans la petite ville de Tomates. Je vais faire un petit break, allez, ça va voir bien, je suis sur le plat, je vois à 20 km/h. J'ai arrêté dans un dépanneur prendre une Orangina, qui est probablement mon top 1. Je pense que c'est ma liqueur préférée de toutes, là. Plus que la root beer, j'aime vraiment ça. Fait que, une petite Orangina.
des petites chips au, de frites. Parce que... fait que je pense que je vais être à Kourou en rien de temps. Là. Ça va bien aller. Ah, c'est poche, par exemple. Après Tomate, là, le bel accotement qu'il y avait depuis Cayenne. Et puis là, fait que là, t'as encore ces lignes blanches avec le gros trafic. Oh, dis, c'est bien de la merde. Je suis frustré. Ouais, mais c'est fatigant, le gros trafic, là. J'ai retrouvé une autre petite cabane comme au Brésil. Ça fait du tang, il m'en reste encore du Brésil. Mais tu sais, j'avance bien, mais boy, je rends pas d'espace, le monde m'en prend vite. Hein. J'aimerais vraiment mieux faire du vélo sur les routes du Brésil, pour être honnête. Là. Ils ont beau avoir plus de trous, j'avais moins l'impression que j'allais me faire tuer à chaque instant. En tout cas, c'est ça qui est ça, on va l'endurer. Une piste cyclable pour les derniers kilomètres en rentrant en ville, ça fait du bien. Les 30 km, pas d'accotement. Mais c'est que tu sais, je suis stressé, je regarde la route pour pas dévier du tout. Je regarde dans le miroir tout le temps pour être sûr que les chars ne rentrent pas dedans. C'est pas bien relaxant, tu sais. Je dirais que c'est plus fatigant, même si tu sais, là j'étais sur le plat, ça allait bien. Je suis content d'être arrivé. Je suis dans un magasin d'escompte, aïe. C'est vraiment pas cher. Je me gâte. Fait que je suis arrivé à mon Airbnb à Kourou. C'est mon bicycle. Fait que ça ressemble à ça. Non, c'est pareil. Ça monte. Mais pour vrai, c'est super. Moi j'étais là, je trouvais ça cher, tu sais, pour aussi d'habitude ce que je prenais. Mais je mettais ça sur le compte que c'était la Guyane française. Mais c'est un vrai bel appart, là, tu sais, c'est pas un studio. Ma chambre ici. Il y a l'air clim. Ici, il y a une terrasse. C'est hot. Un beau salon. Il y a une autre chambre. Hey, c'est comme un vrai appart. Une belle cuisine. Non, ça va, hey, ça va être top de partir. C'est bien trop hot. Ouais, mais c'est, je suis content. Je m'attendais pas à ça sur les photos. Ça avait l'air d'un petit studio comme j'étais habitué de louer. Mais c'est clair. Puis, tu sais, en Guyane, il y a beaucoup de produits qui sont vraiment plus chers. Vu que, beaucoup de produits qui viennent de la France sont transportés par bateau. Mais là, juste à côté. Il y a comme un magasin d'escompte, là. On dirait, tu sais, pas nécessairement des surplus, mais tu sais, c'était genre une épicerie, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choix, mais tout ce qui est vraiment moins cher. Comme escompte Fortin 2000 sur Marie de l'Incarnation à Québec, là, pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai vraiment fait une razzia pour. Ça, tu sais, c'est comme trois fois plus, moins cher que d'habitude. Les viandes froides aussi. Ici, c'était comme 1,50€. Tu sais, ok, c'est plus cher qu'au Brésil, mais comparé à tout ce que j'ai vu à date. Là, j'ai tanké. La Martins, puis aussi un rhum martiniquais à 10€ la bouteille. Fait que je vais me gâter les rhum and coke. Mais c'est ça, ça a l'air comme un quartier populaire là, de Kourou, là, tu sais, pas cher. Là. Fait que au moins, je suis à côté du magasin qui est pas cher. C'est hot. C'est la vue de mon quartier. Ah, je suis content. Chiller une couple de jours ici. En même temps, tu sais, je vais faire beaucoup d'affaires. Je vais aller voir le centre spatial, je vais aller voir les îles du Salut, mais je suis content. Demain, j'ai une journée rien glandage, le prévu. Ça va le faire. Ce qui est bien avec des voyages, c'est que tu découvres la gastronomie locale des places que tu voyages, tu sais. Tout le monde le dit, les voyages, c'est parfait pour s'ouvrir l'esprit, tu sais. Et apprendre à accepter, tu sais, d'autres cultures, d'autres. En ce qui concerne ce que je parle, la gastronomie, donc. J'ai pu goûter au fameux Doritos bleu, goût paprika. C'est super bon. Checky, ils sont genre foncés. Ok, j'ai essayé de voir le lancement de la fusée. C'est à 18h45, mais je sais pas si ça va être annulé ou pas. C'est dans pas longtemps. J'ai trouvé un spot là, sur le top d'une colline. Je pense que c'est fait pour ça. Donc, je vais aller voir. Fait beau. Ouais, ça vole là, une fusée dans ce temps-là, hein? Moi je connais ça. Là. Y'a rien là, là, moi je connais des pilotes qui volent là-dedans sans problème. Là. Ouais. La fois à Shefferville, là, ouais, aucun problème. Oh, la petite bulle qu'on voit là, c'est là que je m'en vais pour le lancement. J'ai checké sur le site, tu sais, y'a pas de news pour dire que c'était annulé. Là, je sais pas c'est quoi la source, mais en tout cas, on va aller voir. Sinon je vais avoir fait un petit tour de BC Collège. Ça fait du bien. Alright, j'étais à la bonne place, il y a plein de monde qui se promène pour aller sur le top de la butte. Je vais barrer mon vaisseau quelque part. C'est pas encore annulé. Ça serait cool. Alright.
J'ai ma carte. Il est supposé avoir des écrans géants, c'est cool. Tout le monde monte au top. Ah yes, ça serait trop hot que ça marche. Je voyais une fusée. Je suis au site d'observation. Puis là, on voit... Le lancement est là. Puis la fusée, c'est ici, là, au milieu des quatre pylônes, là, tu sais. Je zoome pas mal, là, mais quand ça va partir, j'aimerais mieux le voir. C'est juste trop hot. C'est le début de la séquence synchronisée, ce qui veut dire que, qu'à partir du moment où le lanceur est en mode automatique, avez-vous entendu ça? 7 minutes. Et attentif sur le panneau, les verts, pendant les 7 prochaines minutes. Une minute. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Wow. Allumage Vulcain. Oh. Allumage des EAP. Et décollage. Wow, shit. Ça va savoir le nom de chaque. La trajectoire nominale. La propulsion est nominale. La propulsion est nominale. Vous avez la chance de traîner des images exceptionnelles. What the fuck? Des images incroyables. Le Vulcain sera éteint et l'étage cryogénique principal sera devenu super. Sera alors. Sinon, mais séparation des œuvres. Je pense que les tanks à fuel vont se séparer. Oui, on vient d'avoir confirmation. Oh, j'ai cassé. Le booster ont été séparés avec succès. C'est qui, il s'est sans séparer. Tout le monde sur son point actuel. Et pourquoi il n'a plus besoin de booster? Booster. 170 tonnes, bagatelle comparée. Oh, il 170 tonnes au moment du décollage. Poussouflant. Et ça encore. La phase suivante. Vidéo que la coiffe a été séparée avec succès. Comme moi, moi aussi ma coiffe a été séparée. Wow, belle, en beau. Le monde applaudit. Je pense que c'est ça dans les airs, on reçoit encore la lumière du soleil, la fumée. C'est non mais hot, je suis dommage chanceux d'avoir passé, je suis arrivé à Kourou aujourd'hui, premier jour ever. La fusée était supposée être hier, tu sais. Je mène vraiment une bonne vie. Ça, c'est pour toutes les bottes de chemin où c'est que tu sors. Mais ça m'a vite temps, pareil. C'est fini, ça a duré 5 minutes. Comment on fait ça, monsieur? Je traverse Kourou pour une troisième fois aujourd'hui. Mais là, toute la ville, il y a une piste cyclable. Oh boy, on voit pas grand chose. J'ai ma lampe, je vois bien. Mais toute la ville est traversée par une piste cyclable. Ça fait que ça se fait bien. Je peux suivre ça, c'est quoi, 6 km? J'arrive juste à côté là, de l'appart. Fait que c'est moins chiant que de se promener à Cayenne, tu sais. Puis là, j'ai fucking vu une fusée aller dans l'espace. Du coup, là, hey, c'est vraiment pas banal! Merci d'avoir écouté. Je suis présentement à Bonfim, de retour au Brésil, après avoir survécu à la trail de Guyana. Dans le prochain épisode, je reste quelques jours à Kourou, là, visiter des trucs. Je vais aux Îles du Salut, qui était le site de l'ancien bang français, pour ceux qui ont lu Papillon. Je fais la visite aussi du centre spatial. Donc, je reste encore quelques jours. Et après, je me dirige vers Saint-Laurent-du-Maroni. Je ne sais pas que le prochain épisode, là, qu'est-ce qu'il va inclure, combien de temps ça va durer. Je vous invite, comme toujours, à vous abonner à la page et à partager à ceux qui pourraient être intéressés pour qu'ils s'abonnent à leur tour. Et d'ici là, je vous dis au revoir. Merci beaucoup.